Mesdames, Messieurs, chers amis, Tizé Boulle, Canel Machin Boulle, bonjour, bonsoir. Nous sommes très contents de vous rejoindre sur la plateforme. Delva Gadio Bon Boulle, BBC Sports Live, pour nous porter pour vous un numéro Bon Boulle tout à fait spécial pour aujourd'hui. Je vous ai rendu la caillou, c'est grâce au support de toute l'équipe là, coordination technique, Yéhou Gonzalez Blanco, Don Ismaël, Gouiva Blanc, Don Ned, présentation, votre serviteur Delva Blanc. Rapidement, on a pris entrée de plein pied dans l'information. CONCACAF U15 masculin, nous connaissons qu'il a déroulé du côté de la République dominicaine, terminé hier dimanche là par la victoire de l'ogre américain aux dépens du Mexique sur le score de 4 buts à 2. Donc, c'est la sélection américaine qui remportait CONCACAF U15 qui a déroulé en République dominicaine, qui corrigeait le Mexique par 4 à 2. Par contre, nos petits Grenadiers, on a parlé bien sûr de la sélection nationale haïtienne, qui terminait en troisième position dans un match de classement. L'équipe haïtienne a dominé la Jamaïque sur le score de 3-1. Il faut dire, mesdames et messieurs, c'était Daniel Francisco qui était ouvri score là, pour Haïti à la 27e minute de jeu. Lauré Angelo marqué à la 44e minute et puis gagné Lesse Emerson à la 70e minute qui était marqué le troisième but de la sélection nationale haïtienne qui fait une belle victoire dans le match de classement 3-1. Donc, après États-Unis, Mexique, Haïti complété podium contre CONCACAF U15. Là, nous avons un gros coup de chapeau. By staff là qui composé de citoyens Sao Nabgade là avec comme chef de file et deux anciens capitaines de la sélection nationale Eddy César qui c'est coach principal là suivi de Bouini donc tous les deux monsieur Sao et pour te boire ça capitaine sélection nationale haïtienne non et deux monsieur Sao t'es joué ensemble dans défense centrale Don Bosco de Pétionville. Donc, c'est M. Sayo qui a mené la sélection nationale des moins de 15 ans, qui était champion de la Caraïbe et qui terminait en troisième position dans CONCACAF U15. On nous dit son note très positive pour les petits Grenadiers qui ont enregistré 4 victoires, 2 défaites dans la compétition. Ça. Donc, nous avons décalé Cuba, nous avons battu Qatar en demi-finale. C'était imposé aux dépens du Canada 1-0. C'était justement Bill Miraville qui était marqué un superbe goal pour te permettre à Haïti remporter le match là, un goal à 0 et qualifié pour les demi-finales. Et puis, mesdames et messieurs, l'équipe haïtienne en demi-finale est tombée face à la formation américaine. Par un goal à 0 et un match de classement pour 3e, 4e place. Équipe haïtienne gagne Jamaïque sur le score d'un but à 0. Donc nous disons, alors 3 goals à 1 en match de classement, pardon. Alors faut nous dit, équipe haïtienne a essuyé tous les deux défaites face à la sélection américaine. Nous sommes tombés 3-0 en phase de groupe face à la formation américaine et bien en demi-finale. Équipe américaine a été récidivée sous nous et a gagné un goal à 0. Après quoi, l'équipe a fait un très bon tournoi avec de très bons résultats, terminé en troisième position dans le CONCACAF U15. Donc, c'est un très bon résultat et nous féliciter une autre fois encore. Staff là, qui gagne comme chef de file, Eddy César. Et Bouini Pierre-Richard, nous saluons tout l'autre monsieur qui fait partie du staff sélection U15. En nous, ouais, rapidement, 11 joueurs qui étaient et commencé match ça hier pour la sélection nationale des moins de 15 ans. C'était Charleston Dumont, Domonté en Bagola, gagné Lovenson et Dorleyus, Jevens Kenson Rezil, Bill Miranville, Jorgensen Jean, Rolf Julien, Francisco Daniel,
Angelo Loré, Jackson Saint-Ilnor, Fredson Joassin, et puis Medinor. Donc, c'est 11 messieurs Sayo qui ont démarré match-là pour la sélection.